Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de ce petit vide-grenier où j'ai trouvé de belles choses quand même. Alors nous allons commencer déjà par ce que j'avais trouvé dans le premier sac de la première vidéo. Cette petite Barlux que je me disais que j'allais me renseigner dessus. Alors, fabriqué en Italie, et c'est une petite Forbes. C'est écrit en tout petit sur l'aileron avant, ici, là. Alors, je me suis renseigné sur Internet, et en regardant un peu, j'en ai trouvé sous blister. Et ça m'a rappelé que j'en avais déjà une sous blister. Et voici. Comment elle est? C'est la même, c'est une Ford, sauf qu'elle est verte. Et voici pour ce modèle qui était dans le premier sac. Bon allez, nous allons attaquer tout de suite les trouvailles de ce vide-grenier. On va commencer déjà par les loos. Bah, les loos. Tout ce que j'ai trouvé comme cette petite remorque de camion. Elle a ses portes arrière, c'est pour ça que je l'ai prise. Et c'est vrai que les remorques sans caisse, on en trouve de temps en temps. Et je dois en avoir quelques-unes par là qu'il va falloir que je ressorte. J'ai trouvé aussi une Pinder. Pareil, en très bel état. Elle a ses portes aussi. Mais en Pinder, ce n'est pas la seule. Va mettre ça là. J'ai trouvé cette cage avec un lion dedans. J'en ai trouvé une deuxième. Celle-ci, par contre, a sa porte, que l'autre n'a pas. Et celle-ci, j'avais remarqué, il y avait un lion dedans. Mais il n'y avait pas la porte, mais je l'ai prise quand même, puisque j'ai trouvé celle-ci avec la porte, mais qui n'a pas le toit. Et ce n'est pas un Pader, c'est un Circus. Hop, comme ça. J'ai trouvé aussi cette petite cage. Tout ça, c'était dans le même chez le même vendeur. Et j'ai récupéré un petit lion qui était dans le fond de la caisse. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter comme il faut. Mais ça, je ferai une petite vidéo rapide, comme je sais le faire. Hop, déjà, il va falloir que j'enlève le lion qui est dans celle-là parce qu'il m'a l'air bien coincé. Allez, nous allons commencer par tiens, la petite épave. Alors, on va commencer tout de suite par une petite épave, mais du lourd. Il lui manque son coffre, il lui manque son capot. Mais c'est une petite majorette numéro 13. Pour ceux qui la reconnaissent, la petite déesse. J'en ai déjà deux comme ça. Dans le même état, il manque toujours soit le coffre, soit le. Ben, sur les miennes, il manque toujours le coffre et le capot. Et voici pour cette petite déesse. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas. Hop, petit hélicoptère qui est dans un état superbe, comme neuf. Il est complet. Il a ses trois pales. Et surtout, il a des ailerons à l'arrière. Souvent, c'est ce qui manque sur ces hélicoptères. La petite gazelle. Hop, on va lui plier ça pour pouvoir le mettre sur l'étagère. Et il ira sûrement remplacer un que j'ai déjà. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, alors j'ai trouvé des petits sacs comme ça, qui était à 2 € le sac avec 4 modèles dedans. Et j'en ai trouvé une bonne dizaine.
Et j'ai payé le lot des 10 sacs. Ils étaient à 2 euros pièce et j'ai payé le lot 15 euros. Alors on va déjà. Au préalable, je les ai tous ouverts sauf celui-là pour vous montrer. Alors nous allons commencer par cette petite Morgane. Ce n'est pas une ce n'est pas une fabrication française. Mais sur ces modèles-là, je me demande s'il y avait une capote, puisque sur les autres modèles, on a deux petits crochets qui sortent à l'arrière des sièges. Et sur ce modèle-là, il n'y en a pas. Ça se trouve, ils n'avaient vraiment pas de capote. Allez, voici pour cette petite Morgane. Hop, on va mettre la majorette en bas pour l'instant. Alors, ce lot, c'était un lot de chromé. Là, on est sur une petite Cuda. Hop. Toute chromée. On est chez Hot Wheels. Celle-ci, on dirait une petite japonaise. Il n'y a rien de marqué. On va les mettre en haut, les Hot Wheels. Hop. Si je la mettais au milieu. Et nous allons finir par une autre couleur or. Couleur or, une petite Chevy 57. Alors c'est un modèle qui ressemble beaucoup au modèle Majorette. Il me semble que j'en ai un aussi, ouais. Okay, mais je vais vous le montrer vers la fin parce que c'est une couleur qui est magnifique. Et dans une couleur que je n'avais pas. Alors voici pour la version Hot Wheels. Et je vous montrerai la version Majorette tout à l'heure. Allez, nous allons commencer par une petite Majo. Une petite Corvette Chevrolet. Pareil, ce n'est pas une fabrication en France. Alors celle-ci, je vais vous montrer la tempo. Mais elles sont dans un état. Tout ça, c'était dans des petits sacs. Hein. À part deux ou trois que j'avais trouvé en loose à droite à gauche. Mais maintenant, comme je les ai toutes ouvertes, je ne sais plus lesquelles que j'ai achetées à part. Et voici pour ce joli petit bolide. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les Hot Wheels en bas. J'avais dit que je les mettais en haut. Et les majorettes en bas. Ça va être plus facile pour les ranger après. Allez, une petite. On va rester chez Corvette avec une petite 68. En bleu. Alors, les sacs, généralement, je les choisissais parce qu'il y avait un modèle qui me plaisait. Ben, le reste, c'était du bonus, comme il y en avait 4 à chaque fois dans les sacs. Après, c'était par thème. Allez, je vais vous montrer une petite 1,43. Une petite R8. Petite R8 Gordini, puisqu'elle a ses deux petites bandes blanches. Je vous montre ça tout de suite. À l'échelle 1,43. Il lui manque son pare-choc à l'avant. Mais sur ce genre de voiture, c'était pas gênant. Hop, on va la mettre là. Allez, je vais vous montrer deux petites. Ceux-là, je les avais achetés en loose à part. Ici, nous sommes sur une Matchbox. Une Rollomatic. Vous savez, c'est celle quand on les faisait rouler, les moteurs bougeaient comme ça. Mais celle-ci, elle a sa petite attache sur la roue qui est là. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Mais elle n'a plus le système qui entraînait le moteur à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on les faisait rouler, le moteur faisait ça. Et on est sur une Ford Capri. Et j'en ai trouvé une deuxième Matchbox. Toujours en Ford Capri.
Mais celle-ci, je me demande si c'est pas celles qui étaient vendues chez Action. À vérifier, puisque j'en ai une, il va falloir que je regarde. Hop, allez, deux Matchbox vont aller là. Allez, on va partir un peu sur les 4x4. Avec cette petite Toyota Pickup. Qui est très jolie, qui a une très belle tempo. Hop. C'est pareil, ce n'est pas une fabrication en France. Encore du Majorette avec cette petite Jeep Wrangler d'un joli vert, la petite Rubicon qui est complète. Allez, on va partir, tiens, sur une petite Mustang cabriolet. Alors celle-ci, je l'ai achetée en loose aussi, toute seule. Avec son ouvrant. Allez hop. Allez, on retourne un peu chez Corvette. Après chez celles qui sont ici. Puisque j'avais pas cette place sur mon plateau. Qu'est-ce que j'ai dit? Corvette. Avec cette petite Hot Wheels Corvette. Petite Stingray. Et ça, c'est un modèle que j'ai déjà. Et je crois que dans le sac, il y en avait une, mais qui était en coupé, que j'ai déjà mis en vitrine. Et je ne la vois pas d'ici. Ensuite, tiens, allez, on va passer sur une petite Porsche. Petite Porsche Turbo. En parfait état, mais pareil, ce n'est pas une fabrication française. Hop, on va la mettre là. Bon, un petit message à Christophe, j'avais parlé d'une très belle pièce. Une petite allemande verte en Hot Wheels. Une petite Porsche 928. Regardez-moi ça. Et elle est lourde, elle fait son poids. Elle a des très belles jantes. Très très jolie comme petite Porsche. Et là, on était chez Hot Wheels. Allez, on va passer sur une italienne. Une petite Hot Wheels. Alors, pour moi, ce serait une 250 Testarossa. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mes livres. Si je me trompe, dites-le moi. N'ayez pas peur. Mais elle est dans un état superbe. Ça tombe bien, la vitrine que je suis en train de leur faire pour les Ferrari Hot Wheels est en train de se terminer. Je commencerai peut-être les peintures dessus ce week-end. Très joli modèle. Allez, une petite française pour changer. Une petite 205 CTI. Fabriquée en France, celle-ci. Alors elle a pris un petit choc sur le montant du haut, mais c'est normal.
Alors en ce moment, c'est la petite série des 205 cabriolets. Un autre ami Chris m'en a envoyé une. J'en avais trouvé une il n'y a pas longtemps non plus. Allez, on va partir sur une. Pour moi, c'est une petite Batman 2003 de chez Hot Wheels. N'y a pas une journée où il aboie pas. Et voici pour ce petit modèle. Hop, ça y est. Majorette, il n'y a plus de place. Allez, qu'est-ce que je peux vous présenter? Une petite Norev. Petite Opel Corsa. Qui est toute mimi. Que j'ai payé 20 centimes. Toute seule au milieu de. Au milieu d'un stand, il n'y avait pas d'autre miniature à part celle-là. Très très jolie aussi. Ensuite, un petit camion, j'ai cru voir Majorette quelque part. Mais c'est peut-être pas sur celui-ci, si Majorette. C'est vraiment écrit en tout petit. Un joli petit camion avec avec son crochet. Avec une grue. Petit camion grue. Alors on dirait une phase de GMC. Et voici pour ce joli modèle là. Hop, on va commencer à la mettre en bas. Allez, une petite Hot Wheels. Celle-ci n'est pas toute jeune. J'avais cru voir 1980 dessus. Elle est complète, elle a ses deux roues à l'arrière. C'est vrai que la plupart qui étaient dans les sacs, là, ils étaient en très très bon état. Ensuite, un petit Majorette. Lightass, petit Toyota. Très sympa, avec son ouvrant. Une tempo que je n'avais pas. Va vous laisser faire le tour. Hop. Allez, on va la mettre là. Allez, on va partir sur un petit Hot Rod Hot Wheels 1979. Qui est complet. C'est deux feux à l'avant. C'est assez fragile. Une très jolie tempo. Alors, j'ai pas réussi à voir ce que c'était exactement comme dessin. Peut-être en agrandissant. Même pas. N'arrive pas à voir, on dirait des ailes. Ou une tête de lapin. Hop. Petite Hot Wheels. Allez, on va trouver une place ici. Allez, encore une petite Hot Wheels, une petite Nova 68. Et je vous mets une petite Cuda à côté.
Puisqu'il me reste encore quelques beaux modèles. Avant de finir par la belle pièce que je vous ai présentée dans sa boîte. Ben dans sa boîte. C'est moi qui l'ai mis en boîte, mais. Allez, voici pour ces deux modèles. Hop. Allez, encore un petit camion. Petit camion majorette. Kansas. Il y a ces deux pots d'échappement. On voit encore la tempo. Ensuite, une petite Thunderbird Hot Wheels. Alors ça, c'est pareil, c'est un modèle que je crois que j'en ai jamais vu aussi. Et là-dessus, un deuxième modèle, O143, modèle que j'ai déjà en vitrine. Ici, on est sur une Waouh. Alors, les prises d'air me parlent, mais je suis incapable de vous dire exactement. Pourtant, c'est marqué dessous, mais c'est tellement petit. On est chez Hot Wheels. Ensuite, une petite C1 Citroën de chez Majorette de 2013. C'est là. Là, on est sur une petite super GT de chez Matchbox 85. Joli tempo quand même. Ensuite, une petite Mitsubishi 2013. Petite Hot Wheels. Avec une tempo, que je vais mettre à l'endroit. Un surfeur qui joue de la guitare. Imitation bois sur les portières, toute la partie arrière. Super bien fait. Manque un peu de chrome sur les jantes, mais elles sont superbes. Ensuite, une petite Jeep Cherokee avec un ouvrant qui est comme neuve. Alors, c'est la série Digimon, si je me trompe pas. Elle a ses planches de surf sur le toit. Ensuite, une Modifer Racer de chez Hot Wheels. Petit buggy de course. Mettre au milieu.
avec une jolie tempo, le numéro 12. Qui est complète, on voit bien les pots d'échappement sur le côté. Son pare-choc est toujours là. Très bel état. Une petite Hot Wheels Camaro. Celle-ci, je crois que je l'avais trouvée en loose. Allez, ça, c'était dans un sac. Il y en avait 4 dedans. Une Majorette Motor. Petite Porsche. Une deuxième avec cette petite BM. Et dans le sac, il y avait aussi une Turbo Boom. Alors j'ai essayé, mais il y a une portière qui s'ouvre. Et tout l'avant, il doit y avoir le système qui est grippé à l'intérieur. Vous savez, c'est celle qu'on a tapé dans les murs. Les portières s'ouvraient et le capot s'ouvrait aussi. Mais c'est pas tout jeune tout ça. Je vous la montre du dessus. Voilà. Mais elles sont dans des belles conditions. Allez, nous allons partir maintenant sur la sélection, ma sélection préférée. Avec ce petit Scania. Scania Ben. Très jolie couleur, un beau rouge, un beau jaune. Et vous connaissez tous que la benne se lève. Une petite Super 5 GT Turbo. Celle-ci va aller remplacer une que j'ai dans un des camions en haut. Que là vous voyez pas, mais ceux qui regardent les vidéos, de temps en temps on les aperçoit. Celle-ci est vraiment très très propre. Très joli tempo. Et c'est pas la seule. Il y a aussi la petite Girly. En rose. Et j'en ai une qui est pareil, sauf que les pare-chocs ne sont pas roses, sont gris. Elle est juste là, sous la main. Hop, vous voyez, c'est exactement le même modèle. Sauf que la rose est vraiment plus belle. Ça fera une petite variante de plus. Allez, on passe sur la petite cheville. 57 de chez Majorette. Regardez-moi ça en noir. Avec de jolis reflets, elle est très très belle. Ce n'est pas une fabrication en France. Ah, j'avais pas vu, il manque un. Il manque un bout de feu à l'avant. C'est pas bien méchant. J'arrive pas bien à retrouver une calandre sur une autre. Mais en noir comme ça, elle est très très belle. Allez, avant de vous montrer ma pièce préférée, nous allons finir. Bah, nous allons pas finir, mais j'ai trouvé une petite Corgitoy. Un petit buggy. Très sympa. Très jolie finition. Avec une fleur sur le capot. Ce qui était très à la mode dans les années 70. Une petite Darda de plus pour la collection. Pareil, un petit buggy Darda.
Très joli. Et la dernière Volkswagen à l'échelle 1,43. Modèle que j'ai déjà. Petite Cox des chez les pompiers. Ça, c'est un modèle que j'ai déjà, mais celle-ci est complète, pas abîmée. Et c'est pareil, c'était dans un sac, mais il y avait que les trois, il y avait celle-ci, la Ford et la Renault. Et nous allons finir par la petite boîte mystère. Allez, je l'ouvre. Regardez-moi ça. Couleur d'origine. Hop. Tous les enjeux les verts sont là. Regardez-moi ça. C'est vraiment une très très jolie pièce qui rentre dans ma collection. Et elle est franchement impeccable. Bon ben voilà les amis, ça a peut-être été un peu rapide, mais au moins je vous ai tout présenté. Et si vous voulez que je vous représente 2-3 modèles, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous les représenterai un peu plus longuement. Bon ben voilà, demain matin, ben aujourd'hui, parce que vous allez voir la vidéo aujourd'hui 1er mai. Aujourd'hui j'ai un petit vide-grenier, allez on va dire 6-7 km de chez moi, qui attendent 200 personnes. On va peut-être aller faire un tour s'il ne pleut pas. Bon allez, sur ce, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.